qui sert les enfants, si on même enfin, sur WhatsApp, quoi. Celui-ci m'appelle même pourquoi. Oui, allô? Oui, hey, mon ami Sabran Bolo, c'est comment? Ça va, c'est pour savoir comment tu peux me demander le crédit à la rentrée. Oh, tu connais le problème que j'ai. Tu ignores que la dernière, là, Ngolipor, elle va à la maternelle. Alors, rien que les fournitures de l'enfant de la maternelle, c'est plus que celui de l'université. Sans compter le transport et la tenue. Et tu sers le deuxième. Voilà, Manolo. Lui, il est à l'école primaire, là où c'est élémentaire 1. Rien que ses fournitures, quand je te dis, l'enfant va à l'école avec un gros sac au dos. On dirait la formation d'Ibi. Voilà, et tu parles de fournitures. Avant, j'achetais mes cahiers, les livres au poteau. Le poteau, là, c'est cassé. J'ai les problèmes. Tu sers la troisième, là, Ngomdang. Voilà, elle a échoué le CEP 4 fois. Le concours d'entrée en 6e 3 fois. Je suis encore en train de me battre sur elle. Elle n'a rien dans la tête. Tout ce qu'elle sait réciter, c'est les chansons de télé Nouvelas. Sans compter les morceaux qui passent à Tres Africa. Les piments dans la sauce. Voilà. Tu sais que le 4e là, Nier. Voilà, Nier Mantole. Le goguenard, là, depuis qu'il est allé à l'université, il tourne sur place. Il passe son temps à bagarrer et tout. Je crois que je vais finir par l'inscrire dans les formations là où il va prendre la mécanique, la chaudronnerie ou la maçonnerie. Comme il aime travailler avec les mains, il va falloir qu'il mette ses mains là en valeur. Voilà, les 2/5, les jumeaux. De mon oncle Willem Nier que j'ai adopté là, Toro Mbong. Les deux salopards là, comme ils sont jumeaux, ils font les choses en même temps. Je les ai inscrits à l'école, les deux ont mangé leur pension. Ils ont passé leur temps à escalader les barrières, les deux ont enseigné leurs camarades. J'ai géré les problèmes là ici avec les histoires de la gendarmerie, je te dis. Les deux ont figé à la fin de l'année. J'étais obligé de gérer encore ça, cette année encore, je dois les inscrire. Et tu connais les sixièmes, oui, ma pouille. Le fils de ma tante que j'ai adopté là, j'ai inscrit le goguenard dernièrement dans un établissement au 3e trimestre. Il s'est avéré que c'était un établissement clandestin. Oui, clandestin, pas que ça voyageait, mais ce n'était pas reconnu par le ministère de tutelle. On a fermé, j'ai perdu mon argent, je te dis. Et tu sais maintenant que le 5e, Mborada, le gars là, lui, il me met KO, il me montre tous les problèmes du monde, voilà. Il était ici, il est le plus vieux de ses frères, mais il a échoué déjà les bacs au moins 4 fois. Un fumeur de stupéfiants. Il a fui partout ici. Je passe mon temps à... Je vais faire comment? Les enfants d'aujourd'hui, ils jouent même au tapé-tapé. Le huitième, lui, j'ai inscrit le gars là dans un centre de formation là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il tourne en rond, il ne cesse de me manger mon argent. La 9e langue, vraiment, elle m'a alors dépassé. Où c'est la bordellerie qui est dans la tête de l'enfant? Elle m'a apporté une grossesse ici. Après 2 mois, la grossesse a disparu. Où elle a avorté? Oh, mais il a... Bon, qui, je sais. J'ai trop de problèmes, mon frère. Tu viens m'appeler pour me demander. Je vais te payer. Je sais que ton argent, c'est 1500. Quand je fais les totaux de tout ce que je dois dépenser cette rentrée, c'est 3 475 000. C'est pas facile. Je vais te payer, mon frère. Je vais te donner mes 1600. Il n'y a pas de problème. D'accord. Vraiment. Et la rentrée scolaire m'a cloué.